C'est quoi le harcèlement sexuel ? En France, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne des propos ou des comportements à connotation sexuelle de manière répétée et sans qu'elle soit d'accord. Ces insultes et ces gestes obscènes portent atteinte à la dignité de la personne en l'humiliant, en l'intimidant ou en la blessant. Par exemple, insulter quelqu'un, se moquer, lui faire des remarques essentiellement à caractère sexuel ou avoir des gestes à connotation sexuelle à son égard est considéré comme du harcèlement sexuel. Proposer des relations sexuelles de manière répétée à une personne, lui envoyer des messages, des photos, vidéos à connotation sexuelle ou pornographique, l'appeler régulièrement en l'insultant sexuellement, tout ça, c'est du harcèlement sexuel. Ces gestes et ces paroles peuvent être aussi utilisés pour faire pression sur une personne dans le but d'obtenir un acte sexuel. En France, c'est un délit interdit par la loi qui peut être puni par de la prison. Subir ces gestes ou ces paroles peut entraîner une grande douleur morale. On peut avoir peur, se sentir triste, sale, dégoûtant, honteux, avoir envie de mourir. Avoir des problèmes pour dormir, manger, travailler, se mettre en colère sans trop savoir pourquoi. Souvent, on se sent très seul. Si tu vis du harcèlement sexuel ou si tu as connaissance que quelqu'un vit ou a vécu du harcèlement sexuel, le mieux, c'est d'en parler à une personne en qui tu as confiance. Elle pourra t'aider pour savoir quoi faire. Tu peux aussi appeler le 119. C'est un numéro d'appel gratuit et confidentiel. Les personnes au téléphone sont habituées à ces situations et peuvent répondre à tes questions. Tu peux aussi aller au commissariat de police ou en gendarmerie. Une de leurs missions est d'entendre les personnes, même mineures, et de protéger les victimes. Parce qu'en parler, c'est le meilleur moyen pour que ça s'arrête et être aidé.